learned four methods of transport whilst we did that song and we looked at those pitfalls. We've learned this one. Qu'est-ce que c'est en français, Daniel? En bus. En bus. Alors la classe, vous répétez s'il vous plaît. En bus. En bus. En bus. En bus. Okay, we have this one. Comment ça se prononce, Alexander? Les vôtres. Nearly. Think about that sound that O and the I makes in French. Say it. En voiture. Super. Alors la classe, vous répétez. En voiture. En voiture. En voiture. En voiture. Très bien. We've learned this one. Qu'est-ce que c'est, Charlotte? En vélo. C'est ça, super. Alors la classe, vous répétez en vélo. En vélo. En vélo. En vélo. Très bien. And we have this one, Joshua. Pied. C'est ça, très bien. À pied. Can you all say for me? À pied. À pied. À pied. À pied. À pied. Okay, we've got a new one. On an airplane. Nobody's going anywhere at the moment, are they? This one. Millie, écoutez, you need to listen, please. Okay, you ready? Can you save me? En avion. En avion. Avi, avi, avion. Avi, avi, avion. En avion. En avion. En avion. En avion. Très bien. Regardez ça. Train. It is a train. And do you know what? They spell it exactly the same way as we do. But they pronounce it en train. Can you say to me en train? En train. En train. En train. Train, train, train. Train, train, train. En train. En train. And this final one, a boat. A boat. On you can't back. Go to school on a boat. Nope. Some people might if they live in Venice. Okay, back and point to your toe. En bateau. En bateau. En bateau. En bateau. Okay, one more time. En bus. En bus. En voiture. En voiture. En vélo. En vélo. À pied. À pied. En avion. En avion. Très bien. Thank you.